Donc l'été arrive, est-ce que ça vous donne envie d'aller explorer le territoire, de vous promener? Oui, tout à fait. On a envie là de profiter de justement de d'arrêter d'être chez soi un petit peu, de changer d'air. Franchement, oui, bon, j'aime bien me balader de temps en temps, par exemple à Ribou, etc. Aller marcher un petit peu, ça fait du bien. Oui, énormément, hein, puisque ça fait quand même presque un an et demi qu'on ne peut pas sortir. Donc ouais, ça manque. Et puis comme il fait beau, c'est agréable. Besoin de vacances, besoin de changer d'air. On a besoin de voir le monde, bah, de sortir de tout ça. Mais je pense qu'on est un peu à la fin du tunnel, enfin j'espère. Automatiquement, à rester chez nous pendant presque pratiquement un an, donc oui, c'est bien de pouvoir ressortir un peu. Après, il y a le parc de Moines qui est joli, il y a des belles balades à faire. Bah, j'aime bien la Ribou ou sinon bah, l'étang des Noues, etc. Dès qu'il y a un point d'eau, c'est un petit peu plus relaxant, je trouve. Vous avez le Puy du Fou, vous avez des petites balades en bord de Sèvres qui sont sympas. Tous les sentiers autour de Cholet qui sont super intéressants, donc la Riboucle, le tour du lac du barrage du Verdon, je crois. Alors là, c'est une très grande balade qui peut prendre toute la journée et ça, c'est super. On est allé du côté de Pouzauges, ouais, la Vendée, mais c'est pas loin. Au château de Pouzauges, qu'est-ce qu'on est là, allé dans faire? Dans ce Murois, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a le Puy du Fou qui est pas très loin. Enfin, voilà, on va essayer aussi de profiter d'un peu du local. Voilà. Le parc oriental, le zoo de Douai. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de belles choses. Bah, le centre-ville ici, c'est agréable. Maintenant qu'il y a du monde, voilà. Après, je ne sais pas trop. Hein. Le cinéma, si j'ai envie de retourner au cinéma.